Alors Caroline, qu'est-ce qui se passe? Un casting pour la série Destiny. Et cela concerne qui exactement? Les hommes et les femmes de 5 à 70 ans. Et ça se passe où, Caroline? À l'hôtel la 13e. À la 13e rue Limité. Résidentielle. Et quelle est la référence? Maison communale de Limité. Alors ça se passe quand? Du 8 au 10 septembre 2022. Et à quelle heure? 8h à 16h. Et c'est là tout le jour. Jours. Alors vous qui êtes en dehors de Kinshasa, veuillez nous envoyer au milieu des 30 secondes au numéro +243 89 97 79 888. Alors, vous voulez réaliser votre rêve de cinéma? Alors Caroline, qu'est-ce qui se passe? Un casting pour la série Destiny. Et cela concerne qui exactement? Les hommes et les femmes de 5 à 70 ans. Et ça se passe où, Caroline? À l'hôtel la 13e. À la 13e rue Limité. Résidentielle. Et quelle est la référence? Maison communale de Limité. Alors ça se passe quand? Du 8 au 10 septembre 2022. Et à quelle heure? 8h à 16h. Et c'est là tout le jour. Jours. Alors vous qui êtes en dehors de Kinshasa, veuillez nous envoyer au milieu des 30 secondes au numéro +243 89 97 79 888. Alors, vous voulez réaliser votre rêve de cinéma? Je suis acteur, comédien au théâtre national et ancien de l'INA. Voilà, c'est tout ce que je peux dire concernant Rodi Caron. Moi j'ai 30 ans. Vous allez au cinéma depuis combien d'années? Vanité, quand j'étais encore élève à l'INAS, j'ai fait l'INAS et puis l'INA. C'est depuis 2000, je me suis lancé en 2008. Aujourd'hui, je suis dans les cinémas. Vous connaissez dans d'autres passions à part les cinémas? Bon, à part les cinémas, je suis animateur culturel, j'anime dans des fêtes, des mariages. Je suis peintre. Et voilà. Okay. C'est ce que je fais en dehors du théâtre, en dehors du monde de l'art. Vous êtes pleinement dans les arts. Comment? Vous êtes pleinement dans les arts. Oui. Ok. Vous êtes venu au casting parce qu'on doit vous prendre, c'est ça, non? Oui, je le veux bien. Ok, pourquoi on doit vous prendre? Je vais exposer mon talent dans le film. Mon souci, c'est d'exposer ce que j'ai dans votre film. Quand vous vous mirez, vous voyez dans quel peau? Dans quel personnage? Donc, concernant le film, ou en dehors de... En dehors du film, hein, en dehors du film. Dans la vie, dans ta vraie vie, dans la vie sur scène, vous voyez dans quel personnage? Directement. Ouais. Vous avez déjà fait la présentation? Oui, j'ai fait la présentation. Yes, alors mettez-vous dans la scène. Votre collègue dans les couloirs, vous croisez, voilà, vous estimez que voilà, c'est peut-être la femme de votre vie. Alors, tu vas bien? Non, mais je te demande si tu vas bien. Comment? Non, mais si c'est à peine que je sois arrivé. Ouais, c'est à peine. Tu étais où? Non, mais ça va, tu fais grâce. Tu t'es bien levé, je pense. Viens, viens, je vais te dire. Ah non, calme-toi, viens, c'est pas grave. Viens, viens, attends, viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Fais pas. Tu as peur de quoi? Attends. On va me regarder. Non, mais il n'y a rien de grave. Hein? Non, juste quelques mots à te dire. Non, ne sois pas précis, attends. Hein? C'est tellement profond qu'il faut que je me concentre. Hein? Ce que j'ai à te dire, c'est tellement profond, il faut que je me concentre. Bon, voilà. Tu sais, il y a très longtemps, je t'observe. Depuis longtemps, je sais que nous partageons le même bureau, mais j'avais du mal, j'ai hésité pour te le dire, et je prends ce courage-là de te dire ça. Tu sais, Lauriane, en tout cas, je suis tombé amoureux de toi.
Tu vois, il y a très longtemps que je te regarde. Et là, il y a souvent la vérité dans ma vie. Tu sais. Coupé. En tout cas. Aller sur un médecin. Sur un médecin. Sur un médecin qui annonce l'accouchement d'un enfant à son père. Ok. En Lingala. Toi ? En Lingala. En Lingala. Je suis impatient de recevoir le médecin. Action. Oh, monsieur Trésor. Ah. Non, du calme. Maramounios, il est qui tranquillement. Il est qui tranquillement. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans la nouvelle, moi, ma lame. Oh non, ça la calme. Mais là, on dit qu'on a un hasard. Oui, mais que, au comi papa. Mais je te dis, au comi papa. Et puis, papa, il y a moi dans mon bali. Ah. Non, pèse ça, parce que ça a qui facilité, hein, ça a qui facilité, mais tu réussis quand même. Pèse ça, avant que moi la voiture. J'ai essayé de contacter le frère qui était là. Ok. Et l'ami là est là. Il était passé, il va passer. Je crois qu'il était là. Il était là hier. Il m'avait dit qu'il devait être là. Ok. À votre tour, vous l'avez envoyé à qui? Là, on voit un ami qui est là. Et les deux positions de la maison. Vous êtes né à Kinshasa? Oui. Vous avez quel âge? 25 ans. 25 ans. Vous êtes étudiant? Non, j'ai arrêté. Vous avez arrêté? J'étais à l'année l'année passée. J'ai arrêté. Oh, ok. Quel personnage? Souvent, comme dans le jeu, je joue comme un méchant. Oh, un garçon. Ok. Donc, vous voyez comme un méchant. Un garde, quoi. Ok. Ok. Vous avez une copine? Ok. La copine a son père malade. Vous le rendez visite. Et à le voir, il est presque mourant. Réconforter les beaux-pères. Action. Je joue avec une personne légère. Non. Il est là, le beau-père. Tu le vois pas? Non, je lui ai demandé. Oui, justement, il est là, tu le vois pas? Et le père est là. Tu le vois pas? Il est là, non? Je le vois maintenant. Voilà, action. Attends, on peut appeler le bon les docteurs. Papa, calme-toi. Ouais, le docteur. Ouais, c'est Bachir, c'est un peu urgent. Je peux venir dans la commune de Kinshasa ici. Non, là, je vais être communal ici. C'est un peu urgent, pardon, s'il te plaît. Coupé. On avait commandé du jus. Ouais. Venez nous les servir. Action. Non, j'avais demandé de l'eau. C'était juste là. Tu me le jures? Parce que je suis de ma thèse. Désolé. Désolé. Il fallait commencer par ça. Merci, coupé. D'accord, on a pris la photo, vous avez rempli. Merci. D'accord. Merci. En sortant, vous pouvez appeler le prochain. Ceci, Moutaz. Moutaz, gymnaste. Et tu es étudiant de quoi? Cinéaste. Ceci, Moutaz. Moutaz, M-U-N-T-A-Z. Tu peux parler plus forte? Plus fort que moi? Oui. Hein? Oui. Pourquoi ça me fait rire? Non, ça va. Ah, ok. Ceci, à quel âge? Je vais en 3 ans. À part le cinéma, tu fais quoi? Je suis étudiante en entrepreneuriat. Okay. Et d'abord, vous êtes dans les cinémas depuis combien d'années? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais. Vos premiers projets dans lesquels vous avez travaillé? Le premier. Dans situation pastorale. Et puis il y a Yemba, il y a Auction, One Strand,
et puis mon propre fait. Pourquoi j'ai du mal à comprendre directement ce que vous dites? J'ai comme l'impression de vouloir demander, je n'ai pas entendu. J'ai dit, j'ai tourné dans la série Consultation Pastorale, et puis je tournais dans la série Yemba, et puis je suis en plein tournage au Bobing à deux fois. Voilà. Et puis j'en retourne. Ok. C'est vrai que vous n'avez aucune idée du projet dans lequel vous allez peut-être jouer. Mais en venant, vous voyez dans quel pot, dans quel personnage. Je pleure, je m'entends. Ok. Mais à première vue, je vous vois comme une femme infidèle dans toutes ses relations, en fait. Si elle s'est séparée avec ses mecs, parce qu'elle a toujours été infidèle. Ah. Ouais. Ok. Voilà. Présentez le papier en notre cadre plutôt. Vous rentrez à la maison après les boulots. Votre mari qui a la queue d'arriver après vous, ces jours-là, il était arrivé avant vous. 19h, ces jours-là, vous arrivez à la maison avant 2h passées. Vous venez d'où? C'est la question qui s'y pose. Expliquez que vous avez eu beaucoup de travail pour vous. C'est ce qui a fait que vous rentrez en retard. Oh, bébé, tu es là? Ok, tu as mangé quoi? D'accord. Excuse-moi, j'avais tellement de choses à faire à mon bureau. En fait. C'est pourquoi je suis venue en retard. Je suis un peu désolée pour ce moment. Je t'ai dit que j'ai tout travail. Je travaillais, il y avait plein de dossiers là et puis je ne pouvais pas tout laisser comme ça pour revenir à la maison quand même. Écoute, s'il te plaît, j'ai une journée chargée, j'ai besoin de me reposer en fait. Tu as dit que tu as mangé. S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît. Je veux pas d'histoire maintenant, là. Je veux pas d'histoire. Comment reste là, s'il te plaît? Coupé. Tu vas l'accuser chez sa maman. En Lingala. Action. Lingala, en fait. Maman. C'est quoi, Ozo? T'es maman, ma casse. Au King Bang Tony. Bande ma dame, ben, maman. L'obal, il y a. Maman, c'est à moi alors. À sa nuit. Je ne peux pas comprendre les sous-soutés. Ma comme nous sommes là, je ne ma bête, je ne peux pas comprendre les Ma comme nous sommes là, je ne ma bête. Je ne peux pas parce que vous expliquez la bête. Alors il y a la cuite, la date, vous. Je ne peux pas comprendre la bête. Mais ça m'a bien, et puis pas la bataille, la table, parce que mon papa n'a pas besoin de la cuite, sinon tout comprendre les dés. Donc, ce que tu as besoin de la cuite, c'est que tu es mal à l'aise. Donc moi, je n'ai pas l'aise que l'endroit pour yo. Au salut de mon père, funda. Continuez les sous, basse les sous, c'est l'homme sur ça la moi nana. Après, au commissaire, on t'a pris, tu sais qu'elle souligne. Maman, après non, on est plus calme. On a évité tout en salle, on a évité tout en salle. Donc il n'a pas la bande à moi, la bande à la ma cuite chaque jour. Maman, on s'en est, maman, pour la bonne santé. Fais juste un dernier truc. Hein? Bana ba kwesi télévision panzani. Bana ba kwesi télévision panzani. Gangue la bambou en fonction en Lingala. Qui fait ça? Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire? Comment est-ce qu'on joue le ballon à la maison vraiment? Tu es malade, c'est quoi ton problème? Je t'ai toujours dit que quand tu joues le ballon, tu dois jouer ça. C'est fini. Si on pense par ce moment d'être quatre, non? Oui.
Ngoyi. Je suis artiste. J'ai joué aussi dans beaucoup de cinéma. Comme Viva Rica, Corona, Les Enfants Sorciers, Félicité, John of God, Paul Zemi. Donc Viva Rica, c'était quoi votre rôle? Je suis la maman de Pachabal, la femme de Papa Chef. Vous étiez la femme de Papa Chef. Et dans Rebelle, vous étiez? J'étais la tante de Eminem. Ok, l'albinos. L'albinos. D'accord. Vous êtes dans le cinéma depuis combien d'années, maman? C'était depuis qu'on a commencé le film, depuis 2010. Puis Marie, vous étiez. J'ai travaillé avec le cadre en mars. J'étais dans son groupe. Mars Karakadjoum. Oui. D'accord. Alors, maman, vous habitez où? J'habite au colonel Léa, numéro 2, à Gombe. À Gombe. Vous allez nous supporter un peu parce qu'on va avoir un peu plus de minutes avec vous. Ok. Dans les cinémas, vous avez d'autres activités, en fait. Oui, j'avais une pharmacie qu'on avait créée et souvent je suis dans le monde de médical. Ok. Il vous est déjà arrivé d'avoir. La cuisine aussi. Hein. La cuisine. Oui, parce que j'ai travaillé moi aussi à la cuisine. Il vous arrive d'avoir des tournages en dehors du pays, partir sans problème. Sans problème, je ne peux pas te dire. D'accord. Alors, il vous est déjà arrivé de travailler sur des projets dont le contrat demandait d'abord de jouer et d'être payé plusieurs années après? Ça, non, pas. Si cela arrivait, vous serez d'accord de travailler? Et on va toujours s'attendre. Il y aura des papiers qu'on va faire des appels. Ça arrive pas. Ok. Vos intentions en termes de cachet, quand vous jouez comme actrice principale, vous vous attendez à être payé à hauteur de combien? Si cela dépendait de vous. De moi. Si vous étiez actrice et producteur, vous vous payerez combien? Vous êtes actrice principale dans un long métrage d'1h30. Vous aurez 20 jours de tournage. Ça, moi, je n'ai pas vraiment. Parce que ça, c'est différent entre un producteur et l'autre. En tant qu'actrice, improviser un cachet pour vous. Un cachet pour moi? J'avais fait aussi de publicité de Orange. C'était seulement pour aller faire ma coupe de 500 et 400 pour le fils. Pour le panneau. Ça, j'ai oublié ça. Dans un long métrage d'1h30, vous êtes actrice principale. Ça, vraiment, je ne peux pas vraiment le montant. En fait. En tant qu'actrice, improviser le montant. Si je vous dis, bah, peut-être ça peut être plus. Au moins, ça va. Je préfère que le réalisateur de. Je pose des questions pas par rapport à ce projet, maman. Ok, c'était juste un petit jeu de questions-réponses. Merci beaucoup. Mettez-vous dans la peau d'une très. D'une petite belle-mère méchante. Une mauvaise belle-mère. Merci. Sans rien dire, mais faites-nous savoir que vous êtes méchante. Votre belle fille est en train de passer. Regardez-la. Alors, une lumière sur maman, s'il vous plaît. J'étais là, mais je ne sais pas qui a pris l'argent. J'avais tout fermé.
Je fais tous mes comptes. Et derrière le cours de Royal Anniversaire, tous mes prêts là. C'est pas pourquoi vous voulez en mémoire. Et je n'avais pas pris ça. Tous les écritures, j'ai passé tous les écritures ici. Maman, vous coupez. Vous venez de perdre votre fils, votre seul fils. Okay. Pleurez votre fils. Action. Chercheur de casting. Vous avez l'habitude d'aller dans des castings. De temps en temps, des centres écologiques qui se nomment New Casting. New Casting, du coup, lui-même s'amuse. Je sais pas. Il vous envoie dans un endroit, lui-même n'arrive pas. Et si vous venez comme ça et que vous ne savez plus rentrer chez vous, on vous séquestre ici. C'est qu'il n'est pas le cas. Qui vous a dit ça? Si je me dis, c'est ça. Je souhaite. Ouais. Comment vous avez compris ça? Dans le reste. Et puis, paf, vous êtes devenu de plus. Donc, dans les groupes-là, vous êtes trop sérieux. Lui qui n'est pas dans le groupe. Je suis pas là. Il n'est pas dans le groupe, c'est moi qui lui ai envoyé le coordonnées. Mélissa, je souhaite, c'est ton petit ami. Vous allez dans un studio photo pour faire une photo, vous allez mettre ça sur Instagram, pour faire montrer à un monde ce que vous aimez, tout ça. Mmh. Allez, faites des photos des amours. Action. Vous êtes dans un studio. Coupez. Regardez-vous. Faites-vous des promesses de la vie. Parce que vous estimez que vous allez vous marier un jour. Et surtout, ne vous embrassez pas. Faites-nous comprendre. Que vous, voilà, vous tenez vraiment à votre union. Vous auriez 50 enfants ensemble. Action. Je suis. Tu sais très bien que je t'aime. Oui, je sais. Mais ça me fait peur, tu sais. Souvent, quand je vois les gens qui se marient, et après tout ça, ils commencent à se disputer, à se taper. Je ne connais pas, je te rappelle. On s'est connus, tu veux qu'on était tout petit. On a grandi ensemble, on a étudié ensemble. C'est juste que je... C'est juste quoi? Je stresse. Juste... Non, ne stresse pas. Le mariage n'est qu'un titre. Après ça, on vivra comme on vit toujours. Tu me dis? Oui, je te jure. Tu vas pas me tromper. Non, je... Sortir avec je t'ai jamais trompé. Pourquoi je le ferai après le mariage? Je vais m'engager devant l'État, devant ma famille, devant ta famille. Et cela m'empêchera que je fasse n'importe quoi pour te faire souffrir. Tu vois? Je t'aime. Moi aussi. Coupé. Oui. Je souhaite. Tu as trompé Mélissa. Tu viens te voilà, demander le pardon. Action. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc à te dire. Quoi? Bon. Ah non, tiens, tiens, tiens. Appelle-toi. Ma patronne m'a promis en fait. Elle m'a promis un grade de la supérieure et du coup, il y avait une condition. Quelle condition? Il faut être forte. Quoi? Parle, non? Je suis censé avec elle. Quoi?
Répète, répète, tu as fait quoi? Pour de l'argent, je souhaite tu es sorti avec ta patronne. Je te rappelle qu'on a besoin d'argent. Même si on a besoin de l'argent, on ne fait jamais... Attends. Lâche-moi, putain! Mon patron m'a demandé de sortir avec... Le 5 tu pars avec. Tu sais ce que tu vas faire. Moi, je vais dire à maman qu'il y a quelque chose qui se passe dans la rue. Et quand tu entres dans la chambre, tu prends les 5 comme ça, on va prendre l'argent dedans pour acheter des bonbons, des muscles, tu sais. Tu sais, c'est de l'argent de maman. Alors, ça fait quoi? Si, elle m'attrape. Alors, ça fait quoi? Elle va te tuer? C'est pas bien. C'est pas que toi. C'est pas que toi. Va voir comment tu vas faire l'invitation. Vas-y. Merci. Vous avez quelque chose à dire? 8 ans, ça passe. 12 ans, je ne sais pas. Elle était beaucoup plus âgée, hein? Elle était beaucoup plus âgée. Faut descendre. On fait l'inverse. Tu as 8 ans, elle a 12 ans. Je suis quoi? Écoute, tu sais que maman n'était pas là hier. Elle est sortie le matin et elle n'a pas amené les trucs à manger. C'est vrai? On va faire un truc. Donc, oh, tu as besoin qu'on achète un truc à manger, non? Oui, la faim. Oui, j'ai trop faim. Ok. Tu sais là où maman te pose ça? Attends, dans la chambre, tu fais ça. La chambre? Oui. Ok, on va faire ça. Tu entres tout doucement, moi je regarde la porte. Maman est dehors, moi je regarde à la porte. Tu pars, tu regardes dans son sac, tu prends tout ce qui se trouve dans la porte. Arrête ça! Non, tu as besoin de manger ou non? Attends, maman nous dit qu'on ne va pas voler s'il n'y a pas la nourriture dans la porte, juste parce qu'elle va préparer. Non, écoute. C'est pour le moment d'évoluer. Non, si tu ne fais pas comme ça toi-même, je ne parle pas. Non, je suis ta grande sœur, tu dois m'écouter. Tu dois m'écouter. Je dois écouter d'abord, maman m'avait dit de venir prendre quand il n'est pas là. Oui, quand il était sorti dehors, elle t'a donné quelque chose à manger. Elle va rentrer, du coup. Elle t'avait donné quelque chose à manger. Non, écoute, tu me réponds. Pas faire ça. Tu me réponds d'abord. C'est quoi cette gamin? Très bien. Voilà. Oh. Bah, je suis là. Tout ce qui a trait à la télé, vous avez déjà fait? Un film et... Non, c'est un film. Oui. Lequel? Parce que j'ai débuté ma carrière en fait. Voilà, le film, par exemple, la série dans laquelle je viens de Yemba, je viens de figurer là. Ah, tu étais dans Yemba? Oui, j'étais là. Okay. Donc, c'est le premier des deux. C'est pas... Bon, pas grave. Alors, vous êtes la fille d'un monsieur très riche, ok? Le monsieur très riche là, il meurt, ok? Et dans son testament, il n'y a pas ton nom. C'est son frère qui vient vous lire le testament à la maison. Ta mère, elle sait que tu es sa fille. Tu es aussi la fille de ton père. Tes frères savent que tu es leur sœur. Mais ton papa, qui est mort, il n'a pas mis ton nom dans son testament. Ok. Non, c'est bon, on y va. Donc, accident.
Okay. Ma famille. Marié, mère de trois enfants. Non, pas marié, pas fiancé, pas d'enfant. C'était quoi qui lui a raconté à l'autre fille? Qui a retenu ton attention? Son leader. Hein? Le leader. Le leader. Bon. Donc c'est la façon de jouer des leaders qui a retenu ton attention. Bon. Tu peux me référer à ta façon. C'est que tu as vu le leader. C'est quel coup? Tempête des stars. Le groupe de Tempête des stars. C'est que le leader. La rose avec ses cheveux. Parce que s'il faut trouver des perruques, on peut acheter ça même en douceur, n'est-ce pas? Il va être difficile de trouver des cheveux comme ça. Alors mettez les perruques à côté quand vous avez mis ça à côté. Déposez les papiers aussi. Alors la rose, vous êtes dans un deuil, hein? Vous êtes en attente. Ma tante a bien dit que c'est un dit qu'il y a un souhait des souhaits. Oui, il dit qu'il y a un ma belle est ici. Ok, ma. Sur la réaction, on a dit. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes très bien que vous approchez. Din 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 din
Qui est au bureau, qui
qui fait des reproches à ses employés dans un rayon. Il a une vingtaine d'employés dans un rayon. Elle fait des remarques à ses employés. Elle n'est pas contente de leur rendement et elle veut leur faire savoir. Et maman, pourquoi vous n'avez pas encore signé cela? Hein? Maintenant, il ne faut pas agir de la sorte! Mademoiselle, si tu continues ainsi, je vais te faire virer! Coupez, madame. Montre-nous que vous n'êtes pas d'accord, sans parler. Vous n'aurez droit qu'à dire un seul mot pour montrer à ses employés que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Un seul mot, pas une phrase. Un seul mot. Un seul mot. Un seul mot. Comme par exemple, foufou. Mais qu'on comprenne que ces mots-là, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Action. Ça suffit! C'est une phrase. Arrête! C'est une phrase. Non! Merci. Madame, nous voulons que vous jouiez une femme qui vient de divorcer. Et il explique à sa copine les raisons des. Elle regrette pourquoi elle est divorcée. En une minute, action. Je n'ai pas compris pourquoi je l'ai joué ainsi. Parce que tu vois, les mariages, vraiment, c'est une institution de vie. Le mari. Il ne satisfait pas. C'est là que je lui ai parlé qu'on puisse arrêter de continuer le mariage. Mais, je ne savais pas que ça pourrait retourner sur moi. Monsieur Ndomba, vous avez quelque chose? Nous allons tous avoir envie de vouloir parler quand quelque chose ne nous plaît pas. Hein? Je voudrais intervenir pour faire voir aux gens qui n'est pas d'accord. Mais là, tu as vraiment cette envie-là de nous dire des choses qui ne marchent pas. Mais tu n'arrives pas à sortir ça de ta bouche. Ben, en te regardant, nous savons voir que l'on puisse comprendre ton problème sans ces paroles-là. Les paroles ne sortent pas, mais que nous puissions comprendre c'est quoi le problème. C'est un problème douloureux, très, très, très douloureux. L'idée c'était de ne pas parler. Même Seigneur là c'est pas mal. C'est pas grave. C'est bon. Merci Madame Mireille. Madame Mireille, vous avez un mot de la fin? Vous n'avez rien à dire? Rien à nous dire? Rien à nous demander? Non, je voulais seulement vous féliciter pour cette initiative. Vraiment, je trouve ça vraiment. C'est une bonne initiative pour les jeunes. Merci beaucoup, madame. Ne me demandez pas de vous prendre, de vous prendre. Ça dépend de vous. Moi, je veux juste vous demander de rentrer sans péril. Sans quoi? Sans péril. Ok, trouvez-moi un stage que vous voulez. Merci. Merci. Alors, Caroline. Qu'est-ce qui se passe? C'est
casting pour la série Destiny. Et cela concerne qui exactement? Les hommes et les femmes de 5 à 70 ans. Et ça se passe où, Camille? À l'hôtel La 13e. À la 13e rue Limité. Résidentielle. Et quelle est la référence? Maison communale de Limité. Alors, ça se passe quand? Du 8 au 10 septembre 2022. Et à quelle heure? 8h à 16h. Et c'est là tout le jour. Alors, vous qui êtes en dehors de Kinshasa, veuillez nous envoyer au milieu des 30 secondes au numéro +243 89 97 79 888. Alors, vous voulez réaliser votre rêve de cinéma? Tiens, benga Johnny. Y'a mais non, moni. Confiance dans la famille, moni. Johnny a comment qu'on travaille dans la place, moko. Ba, maman, n'a benga Johnny, confiance dans la Silva. Tala, courez qu'elle sous. Du nouveau à Kinshasa, avec 243 Congo Entreprises, qui est une entreprise multisectorielle qui vous offre des services de qualité. Dans l'immobilier, elle innove avec de beaux et luxueux appartements meublés dans la commune de la Gombe et Kitambo, en plein centre-ville de Kinshasa. Avec sa branche TNT Group, vous retrouverez le confort de chez vous, loin de chez vous, que dans les rêves. Dans l'hôtellerie et la restauration, elle met à votre disposition la 13e à Boutique Hôtel, située à la 12e rue Limité résidentielle, à côté de la maison communale de Limité, avec de chambres décorées au mixage européen et africain. Et enfin, dans le service du tourisme, du nouveau à Kinshasa, et bien avec 243 Congo Entreprises, on vous offre avec son opérateur Congo Tours qui vous plonge dans une aventure passionnante en découvrant les merveilles naturelles de la RDC. Avec son bateau Enanoya 243, le majestueux fleuve Congo est à la portée de vos yeux avec les randonnées et balades sur le fleuve qu'il organise chaque week-end. 243 Congo Entreprises, au service du voyageur.